savez, j'ai beau m'appeler Jean-Pierre, toute ma vie, on m'a rappelé que j'étais chinois. Comme quoi, avoir un prénom français, hein, ben, ça fait pas tout. Puis, je dis pas que c'est faux, mais en réalité, c'est pas aussi simple que ça. Moi, j'ai grandi en France, dans une famille d'origine chinoise, mais qui n'a aucune attache avec la Chine. Mes parents, ils viennent du Cambodge, et les Chinois qu'on parle à la maison, c'est un dialecte qui n'a rien à voir avec le mandarin, la langue commune parlée en Chine. D'ailleurs, quand je suis allé pour la première fois, il y a quelques années, ça a été un choc. Oui, parce que moi, quand on disait chinois dans mon propre pays, je ne m'étais jamais senti aussi français de ma vie que là-bas. J'ai alors commencé à m'intéresser à ce monde qui m'était finalement si étranger, en apprenant le mandarin, en me spécialisant dans l'étude de la diaspora chinoise, dont apparemment, j'avais toujours fait partie. Et un jour, je suis tombé sur un article datant du début des années 2000 qui évoquait l'arrivée de commerçants chinois à Casablanca dans un quartier marchand depuis associé au quartier chinois de la ville. Des Chinois au Maroc. Je ne sais pas où, moi je ne connaissais pas aucune étude sur le sujet et ça tombait plutôt bien parce que le Maroc, j'y étais jamais allé. Alors en bon géographe, j'ai décidé d'aller mener l'enquête à Casablanca. Et sur place, j'ai découvert un quartier chinois. Bah, pas vraiment chinois. En fait, au lieu de trouver un nouveau Chinatown, je m'étais retrouvé dans un lieu charnière de la nouvelle route de la soie. C'est une métaphore employée par des chercheurs en sciences économiques et sociales pour désigner ces réseaux discrets du commerce qui s'étendent à travers le monde. Une route qui relie des places marchandes de différents niveaux, comme celle de Casablanca, à d'immenses villes-marchés, dont les plus importantes se trouvent actuellement en Chine, la source des produits made in China qui inondent notre quotidien. Pourtant, depuis 2013, les nouvelles routes de la soie font surtout référence au projet phare porté par la Chine sur la scène internationale. C'est devenu une initiative avec laquelle elle entend bâtir de nouvelles alliances tout en renforçant les échanges avec les pays partenaires traversés par ces routes, à l'instar du Maroc, qui y a adhéré en 2017. Et il se trouve que ce rapprochement historique entre les deux pays a coïncidé avec la hausse spectaculaire du nombre de visiteurs chinois qui n'ont plus besoin de visa d'entrée pour se rendre au Maroc. Des touristes pour l'essentiel, mais aussi d'autres profils dont la présence est, elle, beaucoup plus discrète. Commerçants expatriés côtoient désormais guides touristiques, étudiants, restaurateurs ou encore vendeurs ambulants. Des Chinois qui, eux, ont de vraies attaches avec la Chine et dont les routes, a priori distinctes, se croisent à Casablanca pour former ce nouveau pôle de la diaspora chinoise, et finalement bien plus chinois qu'il n'y paraît. Alors, je vous l'ai bien dit, donc en réalité, c'était pas aussi simple que ça.